YouTube Greu, c'est Johan Gazma. J'espère que tu as bien. On est back, messieurs, dames, de retour dans la continuité de ces DLC. Une après-midi riche en plein de choses. J'ai bien aimé ce qui s'est passé depuis le début. Harley Quinn était très chouette à découvrir, très chouette à jouer, très chouette à manipuler. Red Hood, plaisant as fuck, mais super con malheureusement. Batgirl, sympathique, mais avec des moments de faiblesse. Par contre, la fin était très très cool. On attaque la vengeance de Catwoman et à mon avis, ça se passe après. Peu de temps après les événements d'Arkham Knight, incarnée Catwoman alors qu'elle prend sa revanche sur l'homme mystère. Eh ben, on va en rebouffer du Jamie. Let's go! Alors, j'ai remis sa skin de base normalement, hein. Si l'informateur d'Eddie ne m'a pas menti, l'entrée de l'usine de robots de l'homme mystère est cachée là-dedans. Des cartes magnétiques sur des malfrats, évidemment. Même en prison, Eddie me fait perdre mon temps. Ils ne doivent pas me voir. Facile. Nya. Alors ça, j'aime bien parce que du coup, ça va nous rappeler un peu City. Alors on me dit dans le chat que ça se passe une nuit après Arkham Knight. Donc c'est littéralement le lendemain, quoi. Excellent! Alors allons-y! Et du coup, Jamie est toujours en zonzon. On a le fouet, on a les choses trappes, et on a le bola. D'accord. Alors, j'ai qu'une seule sortie. Ah non, attends! Et bah voilà, c'est ça que je cherchais! Je me sens coupable toutes les fois où j'ai coincé les intellos du lycée pour leur faire bouffer leurs lunettes. Ouais, bah, il allait nous remplacer. Let's go. Nya. Nya. Hein? Un de moi. Quoi? Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais les fumer. Eh merde. Je suis obligé de leur faire les poches avant. Attends. On y va tout doux, les Casbah. On y va tout doux. On dit adieu au salaire. Merde, Larry. Franchement, essaye d'être. Te fais pas repérer. On va essayer. On va essayer. Je préfère ça que d'attendre les largages de nourriture. J'adore l'OST de Catwoman. En fait, ça me rappelle la phase, vous savez, où dans Arkham City, on essaye de récupérer les clés du coffre-fort. Avant de se tailler. Alors, lui, il a une clé. Putain, sauf qu'il y a des endroits où je peux pas aller à chaque fois que les embranchements ont fait chier. Let's go. Les robots, ils sont vivants? Quoi? Est-ce que les robots sont vivants? Ça me fait et de deux. Non, les robots sont pas vivants. Techniquement, je suppose que c'est des parts de zombies. Ok, on ne bouge pas. Je suis un lampadaire. Un lampadaire sexy, mais un lampadaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement la nuit dernière? Bah, le chevalier d'Arkham. C'était le Joker depuis le début. Mais non, c'est pas ça. C'est vrai. Le chevalier d'Arkham, c'était pas du tout le Joker. Retourner au terminal. Ok, on est bien. On est très très bien. Nya. Let's go. Ça s'est bien passé, je répète. Ça s'est bien passé. Je rentre à la base. Batman va s'en prendre à l'homme mystère après la nuit dernière. Alors attends, normalement, j'avais une entrée qui était où? Allez là. Ouais, je sais pas. Nya. Tu as les cartes. Retourne au terminal, Selina. Alors. Allez, allez. Trois clés. Pourquoi il faut toujours trois clés? Voilà. Quelqu'un est là. Ouvrez l'œil, tout le monde. Ouvrez-le. Bien. Il vaut mieux les neutraliser avant de rentrer. Bien, on y est. Alors, les sbires de mystère n'ont plus accès au système de sécurité. Nul besoin de vous dissimuler désormais pour les éliminer. Hein? Si, un peu, quand même. Pour éviter, genre, la mort, en fait. On y va. Let's go, ma partie préférée. Et à mon avis... Ouais, ils se sont pas emmerdés. Ils ont repris le gameplay de City. Mais moi, ça me va, hein. Il fonctionnait très bien. Par contre, ça, je comprends jamais... Pourquoi est-ce que ça décroche? Nya!
Et de deux. La voilà. Quoi, la voilà? Elle est là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah là là. Pourquoi je suis en plein milieu? Ya. Youh. Je me casse. Tayo. Tayo. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Oh putain. Oh putain. Allez, moins un. Je vais voir si. Moins un, moins un, moins un, moins un. Ils sont combien au total? Parce que j'ai pas les chiffres depuis tout à l'heure. Ça m'embête, hein. Ça m'embête un peu. Allez. Flemme de prendre le temps. Flemme de prendre le temps. On bouge. Je vais voir s'il va pas trop mal. Je vais voir s'il va pas trop mal. Genre, il sait déjà qu'il est dans le mal, mais je veux voir si ça va quand même. Je veux voir s'il survit. Alors attends. Nouveau secteur. Je suis pas encore venu ici. On peut plus rien faire. Ils sont giga nombreux. Par contre, quelque chose me dit que y a que ça. À mon avis, je me fais les gars là. Je récupère ce que je récupère. Et à mon avis, ça va se boucler comme ça. Rien de ce côté. Ok les gars, du calme. Ça va. Hey, et qu'est-ce qui t'est arrivé? Let's go! Voilà, étouffe-toi dans ton vomi. Céina, c'est le pire ce que tu me fais faire. Arrête de te décrocher. Nya! Un autre en moins. Oh, elle ne pas le cul comme ça. On peut rien pour lui, c'est fini. On bien l'œil. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Plus que 6. Plus que 6, plus que 6. Nya. Est-ce qu'il me verra, lui? Est-ce qu'il me verra? Oh non. Un mec en moins. Vous êtes où? Heureusement qu'ils sont biglouches, hein. Qu'ils sont vraiment biglouches. Hé, hey, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est bon. Ah, attends. Un gars isolé. Allons-y. Une après-midi DLC, ma foi, fort efficace. Où vous êtes? Par ici. Hé, hey, Jean-Marie. Au revoir, Jean-Marie. Les sbires sont des stagiaires. Toujours, 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 toujours. Mais ça coûte moins cher, hein. Faut faire des économies où on peut, hein. On peut plus rien faire. Continuez. Il va s'en remettre. Où il est? Par ici. Je vais te protéger. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi on s'en est pris? La voilà. À lui, bordel de merde. Ok, ok, j'ai pas compris. Je l'ai pas éliminé tout de suite, lui, hein. Ça fait une éternité, les morts. Je devrais aller voir comment pas me pote. Ok, mais plus 4. Plus 4. Je suis là. Around. Attends. Attends, 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 attends. Elle l'a bien amoché. Deux hauts spots, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça en vrai. Trop, mon vieux. Beaucoup trop. Ah oh. On peut rien faire. C'est fini. Ouvrez bien l'œil. Tu crois pouvoir m'échapper? Je vais voir là-bas s'il est vraiment amoché. Je la vois. Mais c'est pas vrai! Allez! Let's go! Esquive! J'ai un PV! Oh putain, j'ai un PV! Les gazmas, tendu. On l'a joué, on l'a perdu. En fait, je voulais activer les choses trap, mais je pensais pas que ça faisait autant de boucan. Un HP, hein. Un HP, hein. On est les pros de ça, hein. On est les pros. Ça finit toujours pareil. C'est terrible. J'ai toujours un HP à un moment de ma vie. C'est grave. Ah, attends. Parce qu'en vrai, lui, il est solo. Allez, viens. Nya. Ouf. Plus que deux. Ça s'en va et ça revient. Je vais me faire. Hé, mon vieux, ça va? Au moins. Et
On peut battre. Attends, une rime avec un. Je vais m'en faire au moins un. Ouais, si c'est ça. Si c'est bien. Ça le fait. Allez, let's go, chacal. Let's go. Y'a plus que toi. Vas-y, viens, pouilleux. N'aie pas peur. Oh merde. J'ai loupé l'occasion. Non, sérieux. J'ai 0,5 PV, j'ai 0,5 PV, j'ai 0,5 PV, j'ai 0,5 PV, j'ai 0,5 PV. Les chats ont 9 vies, je m'en bats les couilles. Désolé mon pote, je peux pas t'aider. Les chats ont 9 vies. Merde. Putain, c'est tendu. Là. Ah, bordel. Bah, c'était limite quand même là. 0,5 HP. Okay. Maman. Les crétins ont eu leur compte. Ouh. La porte maintenant. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Ouais. Des interrupteurs et des symboles, bien sûr. Pourquoi c'est jamais une serrure? Je peux les crocheter, les serrures. Oui, qu'est-ce que tu me racontes, là? Activer l'interrupteur du robot. Du guerrier? De la cabine? Ou du griffon? Attends. Alors, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Est-ce que je meurs? Parce que si je meurs, c'est tendu, si tu veux. D'accord. Je cherche des indices, non? Perso, je veux bien qu'elle m'étouffe. Oh, hey, bande de cocaïne. Après, j'avoue, les arguments sont présents. Si, les arguments sont présents. Mais je préférais quand même celle de City. Alors, il y a un robot en flamme. Avec marqué numéro 1. Là-bas, il y avait les deux statuettes avec marqué numéro 3. Le truc, c'est que... Ah, la grande roue. Attends. La grande roue, doit y avoir un chiffre dessus. Est-ce qu'il y a un chiffre sur la grande roue? Numéro 4. Ok. Ok, 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 ok. On a le 1, 3, 4. Donc, on a le 2. Donc, le 1, on a dit robot. Donc, robot. Donc robot. Ensuite griffon. Ensuite statue de guerrier. Et grande roue. Papa la papa papa. Let's go. Ça y est. C'était officiellement la dernière fois que je faisais ce truc là. Bien. Mais ça s'est bien passé. C'est pas n'importe quel décolleté, mais le décolleté de Catwoman. Et je ne porte jamais de sous-vêtements. Sinon, je suis pas assez à l'aise. Wow. Ouais. Direction Wonder City. On va en profondeur, là. Hein. Enfoncer ta tête et faire blablabla. Allez, bonne. Bonjour, Mister. Vous avez l'air tout à fait brillant aujourd'hui. Merci, ordinateur. Oh, Lego. Mais il s'agit d'un sujet très pressant. Erreur. Je ne comprends pas pressant. Ça veut dire urgent, tu comprends? Bon. Merci, homme mystère. Oui, de rien. Bon, je suis actuellement emmuré dans le commissariat de police de Gotham, et je... Erreur, je ne comprends pas emmuré. Ça veut dire emprisonné, stupide machine. Enfermé, incarcéré, sous les verrous. Je ne sais pas ce qui est le plus corrompu, le système carcéral ou des fichiers de vocabulaire. Merci, homme mystère. Je trouve ça très stylé parce que tout du long tu te poses toujours la question de comment il fait son truc en fait. Mais il a toute une usine. Ça me fume. Ils l'ont rendu RP. Enfin presque. Parce qu'il faut quand même des moyens pour faire ça mais Mais alors sans parler de détails ou de quoi que ce soit, moi je pense vraiment qu'Atoman elle est entièrement nue en dessous hein. Si tu veux pouvoir être le plus mobile possible, genre il faut qu'il y ait le moins de gênance si tu veux. Je parle juste à mon avocat. Du calme, Eddie. Voilà ce que je vais faire. Je vais voler tout ton argent et détruire tout ce que tu as créé. D'accord? Non! Je n'approuve pas cette stratégie de défense, monsieur. Robot, attaquez! Attends, il est en train de se faire juger, là? Il est en cour martial pendant qu'il est en train de me... Incroyable. Pendant qu'il est en train d'essayer de me violenter de l'autre côté? Ça me fume. Let's go. Par contre, je sais plus ce que j'ai comme PV, donc on va éviter de se prendre des droites, hein. Wow.
Oh le petit bisou. Oh le petit bisou, on l'a pas volé. Nya. Nya. Excellent. Il a dit qu'il passait un coup de fil à son avocat. Oui, bien sûr. Waouh, waouh, waouh. Rawr. 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 C'est bon là? Eh merde. Ok, 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 ok. Putain, ça me fume. J'aime trop, ce DLC est génial. Ah attends. Les gars, oh, 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 je me bats où là? Le sol il pue. Dépêche-toi de mourir. Éviter le prochain repas cardiaque. Bordel. Ah d'accord, il y a des lasers. Ah c'est pas vrai, sérieux. Le vieux laser, je me le tape quand même. Cassez-vous. Cassez-vous. Attends. On est trop proche des lasers à chaque fois, ça pue. Allez, allez. Ça va pas aussi vite que je le voudrais. Ouah, quand même hein. Quand même. Nique sa mère. Allez, 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 allez. Je me focus. La vie elle peut partir très vite. On sait ce que c'est, même si on en a 9. Rawr. Bouya. Ok. Rebelote. Quand je sortirai de là, ma vengeance s'associera à la furie d'Achille et la passion de Quaperon. Ah ah. Tu regarderas tellement sur les épaules que ta petite tête vide finira par se démêler. Encore. Mais non, Sigma. Wouh. N'oublie pas de confisquer ton truc. N'oublie pas de confisquer ton truc. Ha ha ha. Il me fatigue, putain. Mais Jamie, meilleur perso. Mais Jamie, meilleur perso du jeu. Le régal de ce flow. Oula, 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 oula. Aïe. Attends, 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 attends. Oula, oula, oula. Joli. Sa mère. Oula. Merde, y'en a des électriques. Ah non, c'est bon. Ça n'en finira jamais. Cette armée. Ah. N'attends de moi que la moelleté. Et pourtant on n'arrive pas à faire des combos hein. Ah c'est un délire hein. On est qu'à 30 hein. C'est pas normal hein. On devrait au moins être à 80 hein. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Saloperie. Saloperie. Quand ça veut, hein. Quand ça veut pour mettre fin à tout ce bordel. Heureusement qu'il a pas rajouté un troisième laser, hein. Imagine sinon. Nya. Bouya. Allez. Ah. Je viens de remarquer que l'extérieur était électrique. La vengeance est un plat qui se mange servi par un expert versé dans les méthodes de préparation idéale. Je viens de remarquer que l'extérieur était électrique. Putain, j'avais pas vu. En fait, s'il faut, depuis tout à l'heure, je perds toute ma vie comme ça. Allez, 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 allez. Non, pas lui. Oh, je l'ai pas vu lui. Saloperie, saloperie, saloperie.
Allez, allez, allez. Allez. J'ai un PV. Oui. Oh. Oh. L'ordinateur dédié est derrière cette porte. Oh. Que eh ben. Ah la vache. Ouh. Ouh. Eh ben c'était tendu. Mais par contre je suis très content. Parce que premier DLC avec un minimum de difficulté, hein. C'est verrouillé. Et crypté. Bon courage. Empreinte vocale acceptée. Bienvenue, homme mystère. Non. Merci, Eddie. Non. Je ne plaiderai pas coupable. Mais quelle merde. Wouah. Y'a le méca Jamy. Incroyable. Ce DLC était insane. Je pense que c'est la fin, hein. DLC hautement... Oh, attends. Non, c'est tout bon, pardon. Oui, DLC hautement qualitatif. Eddie, t'auras pas besoin de 2,73 millions en prison, pas vrai? T'es nourri et logé. Arrête! Et qu'est-ce que tu vas faire d'une usine de robots depuis ta cellule? Organiser une évasion super élaborée? Tu veux que je te supplie? Je peux. Ok, Enigma, tu vas te calmer. Raccroche. Bye bye, Eddie. Ah, oh, ta main et ton crochet de la salle garde despotique. Non, à ta sœur, tu crois que ça me fait peur? Je suis le mystère et tu te prends la vie de ma gueule. Et bah ce DLC il était au-dessus du lot. Wouah, incroyable. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé, je pense. Bah oui, ça y est, c'est mon DLC préféré. Ils sont vraiment pas mal en vrai, hein. C'est dommage que celui de Red Hood soit trop superficiel. J'aurais bien aimé une espèce de revanche contre l'épouvantail ou un truc comme ça en fait avec l'Arkham Knight. Mon dieu, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. On a revu Jamy. On a pu rejouer Catwoman pour de vrai, ça c'était cool. C'était le bordel, c'était la difficulté. Mais l'air de rien, c'est le premier DLC des 6 qui me résiste, donc excellent. Et cet aboutissement, c'était cash, hein. Le gars avec le crochet dont il parlait au téléphone là. Par contre, je suis désolé, hein, mais d'un point de vue RP, vous me direz ce que vous en pensez. Il avait 2 730 000 dollars. Pour moi, tu montes pas en empire comme le sien avec ça, hein. Ou alors, c'est la petite monnaie qui lui reste, mais ça me paraît vraiment peu. Par rapport à tout ce qu'il a. Genre l'usine, le matos, l'investissement, les machines, tout ce qu'il a mis en place en ville, ça me paraît vraiment rien. Je pense que c'est la petite monnaie qu'il lui reste, tu sais, pour aller acheter le pain derrière. Messieurs, dames, fin de DLC sur la vengeance de Catwoman, un DLC extra, j'ai trop aimé. On s'arrête ici du coup pour cet épisode. La prochaine fois, on attaque avec Nightwing. Et du coup aussi le retour de la skin de base. C'est pas mon perso préféré de la Bat-Famille, mais bon, quand même, il est sympathique. Et en vrai, non, je l'aime bien, c'est sa coupe de cheveux que j'aime pas du tout. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour la future, les DLC d'Arkham Knight. Des bisous.